Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter un petit algorithme pile ou face. Et donc on va vous présenter les fonctions de base d'XCAS et à travers cet algorithme. Voilà. Donc premièrement, vous allez voir le nom de l'algorithme, pile ou face. Et après, le nom, un nom, entrée. Et deux points égales. Alors, ce deux points égales est très important parce que c'est le signe d'attribution d'une valeur à une variable. Par exemple, lorsqu'on va définir une variable, s'il y a besoin, par exemple, la variable échéance, mieux de montrer avec la souris qu'avec le doigt, on va la définir, on veut lui donner une valeur, je sais pas moi, valeur 0. Ça sert à rien, mais voilà. La valeur échéance a maintenant la valeur 0. Voilà. Ensuite, vous verrez cette accolade qui permet de définir l'étendue du programme. Donc, le programme en fait s'étend. Voilà. Tout cela, tout cet ensemble de lignes de code constitue le programme. Voilà, d'ailleurs, ça s'affiche en surbrillance. Mieux que moi quand je le sélectionne avec une couleur verte. Oui, couleur verte. Et à la fin du programme, je passe tout le contenu pour le moment. Vous verrez deux points et point virgule. Ça évite tout simplement de. Il y avait un pied. Oui, mais il y a toujours. Oui, il y a toujours le pied. Allez. Qui évite d'afficher toutes les opérations réalisées par le programme. Le prof de maths m'a démontré ce que ça faisait. Donc, comme j'ai dit, le mot local permet de définir la variable. Ça ne sert à rien de donner la valeur 0 à échéance. Et après, vous aurez ceci. En gros, c'est une variable qui sera définie par l'utilisateur quand il va lancer l'algorithme. Par exemple, voilà, ici, il y a le nom de l'algorithme, pile underscore ou underscore face, entre parenthèses, la valeur de la variable entrée. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? On va utiliser if, une instruction conditionnelle, pour savoir si la variable entrée est égale à pile, puisqu'on a entrée ici c'est pile, ou alors si c'est égal à face, ou alors si c'est égal à pile avec une minuscule, par souci ou par perfectionnisme si tu veux, oui, ou si c'est égal à face avec une minuscule. Ensuite, échéance, on va lui attribuer, comme je vous l'ai montré au début, une valeur aléatoire de 0 à 2. L'aléatoire marche bizarrement en fait. Ça part de 0, ça va jusqu'au nombre entre parenthèses, et ça enlève 1 à ce nombre entre parenthèses. Donc on va faire plus 1. Pour que ça ne puisse donner que 1 ou 2. Maximum du 2. Donc 1 ou 2. Ensuite, bon, ça je vous l'expliquerai après. C'est justement à cause du perfectionnisme du début. Ensuite, tout bêtement. Si la valeur aléatoire est égale à 1, alors on va dire que le résultat sera pile. Comme si on était tombé sur pile. Et on va comparer le résultat de la pièce à ce qu'on avait prédit au départ. Ici. Et j'ai chié ma sélection. Voilà. Hop là. Désolé pour le pad, hein. C'est parfois difficile à manier.
Ça, c'est pour les instructions conditionnelles de base, simplement if. Entre parenthèses, il y a la condition. Et entre les accolades, il y a les instructions à effectuer. Ensuite, après if, vous pouvez mettre else. C'est l'équivalent de sinon. Si la condition n'est pas vérifiée, on va exécuter l'instruction du else. Donc, l'instruction est définie entre les accolades. Et si ça ne tombe pas sur pile, ça va tomber sur. Voilà. Avec Félix qui est extraordinairement bavard. À fond. Hein. Et pareil ici. Si on n'a pas gagné, on a. Perdu. Voilà. Et donc, comme on compte. Là, vous verrez, le résultat comporte une majuscule. Donc, si l'entrée ne comporte pas une majuscule, ça va forcément faire faux, même si c'est le même mot sans la majuscule. C'est pour ça qu'ici, on a mis ça, et ça remet une majuscule. En soi, on aurait peut-être pu faire autrement, mais pas forcément plus simplement. Bref. Pour notre première, toute première condition, si on vérifie qu'on a pile ou face, il y a également un else. Et si on a entré ni pile ni face, ni pile ni face, un peu long, pas redondant, dans ce cas, on nous demande de recommencer en écrivant pile ou face. Je te laisse l'honneur d'exécuter ce magnifique programme. Pardon. Non, ouais, voilà, c'est ça. Donc, mettons donc, tu veux pile ou face? Oh, attends, grosse erreur. Effectivement, pour afficher un message, on utilise la commande afficher. Après, c'est pas la commande en elle-même qui est compliquée, mais c'est ce qu'on peut en faire qui devient intéressant. Vous remarquerez que le texte est entre guillemets. Donc tout ce que vous voulez afficher en tant que tel est entre guillemets. Et après, si vous voulez afficher une variable, ou différents morceaux de texte, comme vous voulez. Par exemple, je vais afficher la variable échéance. Ça n'a aucun intérêt, bien sûr. Vu qu'elle n'aura aucune valeur, voilà. Par exemple, on peut mettre. Vous avez écrit 2 points. Voilà. Plus entrée. Et là, ça va. Toujours la même chose, un petit bout de perfectionnisme. On met quoi? Plus un point. Ça me paraît bien, quoi. Un point. Et donc là, ça va nous afficher notre texte recommencé en entrant pile ou face. Vous avez écrit 2 points. Et là, ça, on va, grâce à ce petit bout, plus la variable entrée, qui n'est pas entre guillemets. Plus le point. Donc par exemple, on va utiliser. Voilà. Attention. J'ai foutu le lockcap. Voilà. On va commencer en entrant pile ou Vous avez face. écrit rien du Non, tout. ça ne marche pas. Vous l'avez enregistré? Non, voilà. Ah, mais voilà. Donc pour exécuter votre programme, vous devez faire interpréter le programme courant en appuyant sur F9. Sauf que nous, ça stoppe l'enregistrement, donc on va avoir tendance à éviter. Et voilà. D'ailleurs. Attends, c'est le Ah oui. Voilà. Bref. Non, non, c'est bien en fait. Non, non, c'est un double signe de ponctuation. Il y a un espace avant, un espace après. Voilà. Là, c'est déjà plus joli. Pas ce que j'ai écrit, mais voilà. C'est Par justement contre, ça. il y a juste un petit problème, hein. Gouré dans ce qu'on a écrit en fait. Ah C'est ouais. l'ordinateur ne sait pas recopier. Oui, non, ça doit être le, ça doit être Ouais, ça. ça Ça, doit. il a pas aimé ça, je pense. Ouais, voilà. Voilà. Inférieur à. Non, ouais, non. Mettons, toi tu veux quoi? Pile ou face? Salut. Bah, pile. Pile. Pardon. C'est pas grave, ça marche quand même. Non. Non, mais Ça marchait pas. le logiciel te le renvoie en tant qu'erreur. Donc, pile. Quelque sorte. Vous avez perdu, t'as pas eu de bol. Allez, à mon tour, je choisis pile. Ça t'est d'écrire, hein? Ouais, voilà. Enfin, parfait, on peut. Non, on n'a pas de chance, on fait deux d'affilée. Voilà, 2 fois d'affilée, ça dépend. Alors. Et on enregistre.
Donc, bien entendu, à part pile, on peut mettre face ou... Voilà, donc j'ai gagné, je suis trop fort. On peut mettre face, voilà, donc là j'ai perdu cette fois. T'es trop fort quand même. Oui, bien sûr. Et donc tout ça, donc c'est se résume dans ce petit algorithme pile Qui ou tient face. en 1, 2, 3, 4, 5, Oui. 6, 7, 8, 9, 10 lignes, 12. Marque 12. Mais je suis sûr qu'on pourrait le faire tenir en beaucoup moins. Donc, je disais que vous pourriez certainement tout faire tenir sur une ligne, mais ça m'étonnerait. De toute façon, on ne va pas tester, ça n'a aucun intérêt. Donc ensuite, vous pouvez utiliser le logiciel totalement en dehors d'un programme en tapant les lignes, par exemple. Voilà. Résulte, signe d'attribution, avec un S signe parce qu'il y en a deux, 25 fois, parce que les additions c'est trop simple. Voilà. On n'est pas sûr du résultat là-bas. Point virgule. Print et on va afficher result. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vérifier par vous-même, hein, on est sûr de. Il me paraît un peu bizarre ce résultat quand même. Celui-là est un peu. Ouais, bon. Non, apparemment il n'était pas. Non, c'était. Hein? Ouais, voilà. Voilà. Là, ça fait joli, ça, tant pis. 25 100. Oui. C'est bon. Voilà, on a quasiment fait le tour des commandes de base. Je dis bien de base parce qu'après c'est très 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 complexe. Après, où est-ce que vous pouvez aller voir pour avoir plus d'informations? Je vous rajouterai peut-être un lien au montage. Faudra voir la semaine prochaine. Peut-être un lien au montage vers le site du zéro ou. Pour savoir faire un upgrade, déjà, faut pas regarder cette vidéo. C'est une mauvaise idée. Après, Si, si, pour faire un algorithme pile ou face, c'est long. Ah. Vous pouvez faire sinon, pour pour l'aider aussi. Tiens, on peut en faire un maintenant pour l'aider. l'aider. Pour lancer les Ah, dés. pour l'aider, j'ai cru pour l'aider, L apostrophe A I D E. Oui, non, 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 pour l'aider, l'aider, tu sais, les trucs carrés que tu pipes. C'est pas des trucs carrés, c'est cubique. Cubique, oui. Ah, face carrée. Comme bombe l'éponge. Non. Si, il a une face carrée. Pourquoi tu dis une éponge carrée? C'est pas plat une éponge, c'est en 3D. Ah, voilà. Comme quoi ce qu'on donne aux enfants, c'est con. Bref, fais pas de malaise, hein. On n'est pas là pour voir. C'est bon, maintenant tu peux rire, le micro t'entend plus. T'as coupé? Ah non, il est trop loin. Non, 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 j'ai pas coupé. Bon, bah, je crois que c'est bon là. Oui, du coup, au revoir.